c'est un seul fil. Hein. Ah ça, ouais? Un seul fil. Donc ça veut dire qu'il change. Ah ben non, j'ai même pas rajouté de métal. Non. À part à certains endroits. Oui. Alors que le plastique est un matériau pérenne qui tient énormément bien dans le temps, qui est très solide, c'est quand même du pétrole, il ne faut pas l'oublier, c'est polluant, ce n'est pas fait pour être utilisé une fois et être jeté après, non, c'est fait pour être réutilisé ou recyclé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que les gens comprennent. De détails. Ah oui. Il fait encore une ou deux prises et puis après. Alors, tous les jours, au pied de ma porte, je trouve encore un sac rempli de bouchons d'un voisin ou quoi. Donc voilà, ça c'est la base du stock, c'est la base du matériau recyclé. Enfin, j'ai beaucoup vu en fait les dégâts que l'homme a fait au niveau de la pollution dans le monde entier, surtout en Asie du coup, vu que j'ai eu la chance d'aller là quelques mois. Et en fait, simplement, ça m'a complètement choquée. J'ai eu un dégoût au point que j'ai commencé à m'instruire sur l'écologie, sur le recyclage, sur qu'est-ce qui pouvait se faire en ce moment avec le zéro déchet, qui m'intéressait beaucoup. Ici par exemple, là je prends que des blancs 2, donc les blancs 2 vont aller aux 2 blancs. Mais donc pourquoi les bouchons? Parce que c'est petit, parce que c'est facile à stocker, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, un choix incalculable de couleurs, c'est absolument hyper créatif, c'est génial. Et également parce que c'est du plastique alimentaire et que du coup ce n'est pas toxique et c'est facile pour moi de le recycler avec du coup des objets qui peuvent être dans la vie du quotidien tous les jours, même si un enfant le mâchouille ou le met en bouche, c'est pas grave, c'est de l'alimentaire. Démouler. Et là, on va avoir un objet sympa. Du coup, là. Évidemment, ma créativité intervient dans la mesure où, quand on se réunit avec Mathilde, on débriefe un petit peu, ou même le travail de la journée.
Et puis, Mathilde me fait part, tiens, j'ai une demande pour faire ça ou pour faire ça, qu'est-ce que tu crois? Et puis, en cherchant, ben, on trouve des solutions sur les demandes, déjà. Et en même temps, on trouve, comme tout chercheur, comme tout créateur, on trouve des nouvelles applications. En fait, je l'ai utilisé avec l'extrude. Vous pouvez faire un élément visuel, c'est sympa. Tout à fait. Et ça m'a beaucoup plu, cette idée de recyclage et cette idée de réutiliser, c'est très dans l'air du temps, mais je crois que c'est la génération qui va un peu changer le monde et nous faire prendre conscience de consommer différemment.